temps, avec le temps va, tout s'en va, et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu, et l'on se sent glacé dans un lit de hasard, et l'on se sent tout seul peut-être, mais peinard, et l'on se sent floué par les années perdues. Alors, vraiment, avec le temps, on n'aime plus. Avec le temps, on sait le temps, on connaît le temps, on mesure le temps. On mesure le temps, la mondialisation. Le père de toutes les guerres du monde. le parrain de la totalité des massacres, d'exécutions du monde, pour quelques sous. Pour quelques sous, la mondialisation. Tout avoir, la volonté de tout avoir, tout diriger, tout posséder, tout avoir, dans le temps, avec le temps, ici et maintenant. Depuis que l'homme a pensé qu'il pouvait profiter de l'homme. Qui pouvait manipuler les hommes, qui pouvait avoir des esclaves, des hommes. Il a fabriqué l'argent, les pièces, l'argent, les pièces. Dehors, les pièces. Et il a fait des guerres pour vivre au départ. Après, pour gagner des esclaves, pour régner. Alors, il faut un poison, opinion, il faut une drogue. Pour droguer les gens, pour perdre la connaissance. La connaissance, savoir, ne doit pas exister. Ignorant. Ignorance. Alors, on doit créer des pensées pour relier les gens en sa faveur. Reliant sa faveur, ça fait religion. Pour parler au nom de Dieu, qui ne le voit pas, même pas peut-être n'existe pas, que lui ne le touche pas, ne le connaît pas, comment est-ce qu'il est, où est-ce qu'il peut être, c'est quoi le Dieu? Il va représenter le Dieu. Il va parler au nom de Dieu. Et le team, l'équipe, vont relier les gens. Relier les gens. Relier les gens. Relier les gens. Pour contrôler les gens. Depuis, première religion.
ce jour, la mondialisation. Et il y avait l'union parmi les chefs. Alors, de temps en temps, il y a des révolutionnaires. Ils viennent pour révolter en faveur du peuple. Ce sont des rois. De temps en temps, ils sont nommés prophètes. Le premier que vous le connaissez, le calendrier de certains peuples commence avec la naissance de cette personne révolutionnaire, c'est Mr. Adam, Monsieur Adam, sa femme Ève, un grand révolutionnaire dans le Mésopotamie, Sousse. Ilamian, le pouvoir des Ilamiens. Ilam, il est en train de gouverner en Mésopotamie. Un révolutionnaire. Il dit non au pouvoir politique, religion. On va l'arrêter. On va l'exiler au Sinaï avec sa fiancée. Il va aller au Sinaï et il va créer un pouvoir pour faire face en Mésopotamie. Au royaume qui l'a expulsé. Et il verrait aussi. Adam. Et ça continue. Les ténèbres avec la lumière, le noir avec le blanc, la positivité avec la négativité va continuer. Le combat, jusque maintenant, ici et maintenant. Une guerre, non, une guerre, quand ça commence, une guerre, quand ça commence, ça ne va pas arrêter facilement et rapidement. Quand madame, elle est fâchée. Tu vas voir l'enfer devant tes yeux quand madame est fâchée. La guerre, on l'a déclenchée, va pas s'arrêter. Ça va durer. Ça va durer. Tu ne trouves aucune guerre qui a duré quelques jours ou quelques mois. La mondialisation existe depuis qu'on a créé les religions. Et aujourd'hui, ici et maintenant, avec les religions, les anciens, celui qui est le plus facho, on doit terminer certains peuples pour qu'il n'existe plus cette mentalité qui ne correspond pas avec le progrès digital d'aujourd'hui. Intelligence virtuelle d'aujourd'hui qui lui ne maîtrise pas, qui ne savent pas l'utiliser, qui est en train de détruire les êtres humains pour un bouquin en deux tours. C'est quoi? Ces gens-là ne doivent pas exister. On ne peut pas nettoyer la tête de ces gens-là. C'est la guerre qui les nettoie. Adam d'aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle, c'est la modernité moderne, nouvel ordre mondial, c'est nouvelle et nouveau façon de vivre, le nouveau monde. Tu avais commencé depuis l'an 2000, mais 20 ans en retard à cause de certaines pensées religieuses qu'ils ont empêché le nouveau monde. Ça décalait. Mais
ça va continuer, mes amis. Écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM. L'humeur du temps vous est présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les premiers et derniers samedis de chaque mois.